Salut tout le monde, je me présente, je m'appelle Maxime Beauchesne, je suis le propriétaire et le fondateur de la page Facebook Street Tooling Québec, qui compte maintenant 16 850 likes ou quelque chose comme ça. J'ai parti la page il y a environ un an et demi, avec aucune arrière-pensée. J'avais surtout le goût de faire une petite page Facebook comme ça sur le tooling québécois. Je pensais jamais que ça allait atteindre les 16 800 likes, donc je suis vraiment content, vraiment fier. Je suis vraiment heureux d'avoir le support de 16 800 personnes là-dedans. J'ai négligé la page dans les derniers mois parce que j'avais besoin de travailler plus pour acheter ma voiture qui va représenter le projet, qui va représenter ma page Facebook, qui va être mon projet surtout parce que je vais faire vraiment beaucoup d'événements avec l'auto. Je vais installer beaucoup de pièces, faire un suivi vidéo de mon projet. C'est ça. Donc, je vais vous expliquer la voiture que j'avais avant. J'avais un Mazda Miata 1992 Turbo Sunburst Yellow, qui est une édition vraiment rare, vraiment limitée de Miata, qui ont fait seulement en 92, qui était jaune. J'avais installé un petit turbo Grady sur la voiture, j'avais installé les coilovers, le hardtop, la valise, j'avais changé les freins. La voiture était vraiment agréable, c'est vraiment une des voitures que je conseille comme première voiture quand on veut commencer notre tuning. C'est une voiture idéale, la voiture pèse rien. On n'a pas besoin d'avoir 300 chevaux pour avoir du plaisir. Moi, personnellement, j'avais 200 force aux roues, 185 livres de torque aux roues, pardon. C'était vraiment agréable. Je pouvais suivre pas mal le véhicule, mais c'était surtout sur une track que c'était vraiment, vraiment agréable. Donc, j'ai vendu l'auto parce que il était temps de penser à autre chose. La voiture, j'étais tanné. C'est vraiment agréable, sauf que là, deux places, j'étais tanné. Décapotable, c'est agréable, mais c'est pas un besoin, c'est pas une nécessité. Et c'était plate de devoir remiser sa voiture 6 mois par année presque. Donc voilà ce qui m'amène à le projet qui va représenter ma page Facebook, qui est mon Subaru WRX 2003. Pourquoi j'ai choisi un Subaru WRX? Parce que, première chose, c'est un 4 portes, il y a beaucoup de place à l'intérieur, c'est vraiment spacieux. Je m'attendais pas à ça. J'avais besoin d'une voiture plus spacieuse, plus imposante. Avec le Mazda Miata, je vous le dis, vous vous sentez vraiment petit dans cette voiture-là. C'est vraiment agréable, sauf que c'est le fun d'avoir une voiture un petit peu plus grosse. Oui, on parle de la performance parce que c'est plus lourd, mais le sentiment de confort, c'est un petit peu mieux. Sans laisser aller la performance. Pourquoi j'ai choisi un WRX? Parce que je préfère le 2 litres au 2.5. J'ai appelé plusieurs experts en lâcher de performance ou AppShop. Ils m'ont dit que les 2.5 étaient un petit peu moins fiables. Donc moi, j'avais vraiment besoin de fiabilité parce que ça va être ma voiture à l'année longue pour l'instant. J'aimais beaucoup le 2 litres. Le moteur est fiable. Moins d'entretien. La consommation est plus adéquate. Et c'est vraiment, il y a vraiment beaucoup de pièces pour cette voiture-là, pour le moteur, afin de sortir de la performance sans sortir plusieurs milliers de dollars. Donc c'est ça. J'ai choisi le Bug Eyes, plus communément appelé le Bug Eye, l'édition avec les grosses lumières rondes en avant qui a gagné des centaines de championnats de rallye autour du monde. Puis j'aime vraiment beaucoup ce style-là. Peut-être qu'il y en a qui aiment moins, il y en a qui aiment plus. Moi, j'adore vraiment la voiture, j'adore le look. Je l'ai pris bleu, WRB, World Rally Blue. Tout le monde qui connaît Subaru connaît ce bleu-là. Le bleu est emblématique de la marque. Donc, moi, je voulais vraiment un Subaru bleu. Ça peut être cliché, ça peut rentrer dans le moule, mais qu'est-ce que vous voulez, je l'aime le bleu Subaru. Aussi, la voiture est pas mal stock. Les seules modifications qu'il y a sur la voiture, c'est un downpipe de 3 pouces. Une marque inconnue avec un exhaust, une ligne de un 4 bac exhaust à la grandeur de 3 pouces aussi de marque inconnue. C'est avec un stage 2 tube. La voiture est tunée stage 2 avec une licence EQTEC. Donc vraiment, vraiment content du tune. La voiture va numéro 1, consomme pas trop, vraiment performant. La voiture sur papier a environ 265 chevaux au crank. Donc c'est vraiment plaisant à conduire. C'est pas la fusée, mais regardez, j'ai même pas commencé le projet encore. Donc, c'est ça. Alors, pour ça, quoi d'autre? C'est ça, c'est mon Subaru.
je suis vraiment content de l'acquisition. Je vais vous parler un peu de ma chaîne YouTube. Je commence ma chaîne YouTube. J'ai fait une couple de vidéos en anglais. Je vais en continuer à en faire parce que je vais vraiment viser le plus de personnes possible. Sauf que, à la grande demande, je vais faire des vidéos en français aussi. Je pense que je suis plus à l'aise de m'exprimer en français qu'en anglais. Je pense que ça paraît aussi. Dans ma chaîne YouTube, je vais mettre vraiment tout ce qui a rapport aux voitures, au monde du tuning dans ma vie. Donc, que ce soit quand je vais aller au garage faire modifier quelque chose, quand je vais aller magasiner des pièces chez les shops de japonais, quand je vais commander des pièces, quand je vais les recevoir, quand je vais ouvrir les boîtes, je vais faire des unboxings, je vais faire des do-it-yourself, des installations. On va essayer de faire tout ça, de filmer tout ça et de vous le présenter pour rendre ça le plus intéressant possible pour vraiment que vous connaissiez le projet à fond et que quand vous me croisiez, ben, vous ne soyez pas gêné, vous venez me voir, vous venez parler du projet, vous venez parler de votre projet, c'est vraiment important. Donc c'est ça. La voiture, j'ai une petite idée en tête, je veux vraiment que la voiture soit pas élevée à vendre. Je veux vraiment pouvoir faire, si je veux aller faire un petit peu de drag, je vais pouvoir, si je veux aller faire un peu de time attack, je vais pouvoir m'amuser l'hiver. Je veux vraiment une voiture qui peut tout faire, tout en gardant. Je veux vraiment avoir un look agressif. J'adore les voitures avec un look agressif, avec les diffusers, les front splitters, les lips agressés. Donc, mais pas de stance, oubliez ça. Pas de stance pour cette voiture-là. Donc, c'est pas mal sur mon projet. Je veux pas trop en révéler sur ce que je prévois sur le projet parce que je veux vous laisser découvrir en regardant mes vidéos. Donc, c'est ça. Si vous aimez ça, si vous voulez en savoir plus sur le projet, vous avez juste à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi aller liker ma page Street Tuning Québec qui se trouve sur Facebook. C'est pas compliqué, ça devrait être la première qui va vous apparaître dans la barre de recherche lorsque vous marquez Street Tuning Québec en trois mots. Donc c'est ça, allez donner des thumbs up, partagez et laissez-moi votre commentaire. Vous pouvez m'écrire sur la page Facebook en privé, il n'y a pas de problème, je regarde tous les messages, j'essaie de répondre le plus rapidement possible. Donc si vous voulez envoyer une photo de votre projet, me parler de votre projet, que je publie votre projet sur la page, il n'y a pas de problème, envoyez-moi un message, je vais m'occuper de ça. Donc c'était ça, bonne journée tout le monde.